Offrande du jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, au commencement de ce jour nouveau que le Seigneur nous a accordé, offrons-lui cette journée, offrons-lui notre journée. Disposons-nous pour l'action de grâce. Seigneur, sois béni pour mon corps, pour la pensée et l'âme qui demeurent en lui. Tu ne m'as pas créé pour le travail seulement, afin que je malaxe le ciment, je conduise les machines, que je reste assis au bureau ou que je travaille au champ. Tu m'as fait d'abord pour être ton temple. Dans le silence du cœur, engageons-nous en prenant des résolutions. Et maintenant, le psaume 23. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots, qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Ensemble, disons la prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Que l'intercession de la Vierge Marie nous soutienne également en ce jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Dans nos ténèbres, il a fait jaillir la lumière de sa vie.
qu'il nous réveille maintenant de tout sommeil, qu'il nous relève de toute mort. Grâce à lui, nous vivrons pour toi et nous marcherons vers ton royaume. Toi qui règnes avec lui et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde tout au long de ce jour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.